Bonjour tout le monde, alors je vous montre mon Michael Jackson terminé. Je vous le montre aujourd'hui parce qu'il part demain, ainsi que Harry Potter. Donc ça part demain. Et le loup de Celine. Et alors je voulais vous montrer. Donc j'ai quand même un grand bureau. Vous voyez qu'il est quand même grand. Et je me suis mis tout au bout du bureau parce que j'ai entamé le phénix. Qui fait 70 sur 50, donc c'est une toile de JBFKE. Voilà. Et comme ça, Pilou, lui, il a sa place pour sa prochaine toile, puisque je ne sais pas si vous allez le voir. Correctement. Il a terminé, donc il va mettre tantôt dans le cadre. Il a terminé son. Eh ben, son tigre. Ben, ça, c'est mes émeux, hein, que je ferai après. Après le phénix. Donc voilà, moi je me suis mis tout au bout. Je vais essayer de vous poser correctement pour que vous n'ayez pas la lumière. La lumière. J'ai coincé mon pull de la fenêtre dessus. Et bah, je vais aller m'asseoir. Alors, je suis encore en pyjama parce que je reprends le boulot aujourd'hui et que je voulais faire cette petite vidéo avant. Il est 11h32. Hop, on est assis. Il est 11h32 et je travaille cet après-midi. Enfin, moi, je ne fais que les soirs. Donc, je reprends aujourd'hui. Je suis trop contente. Mais je me suis dit, tiens, une petite vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle va mettre. Donc, vous ne voyez pas la toile puisque je l'ai recouverte avec mon papier magique. Parce que c'était du plastique et que je n'aime pas. J'aime pas le plastique. Donc, il y a 22 couleurs. Donc, j'ai utilisé ma. Mon bébé manette, ça me suffit amplement. Parce que je pense que Pilou, ces deux prochaines toiles font beaucoup plus que 30 couleurs. Donc lui, il aura une des grandes mallettes. Voilà. Et il neige encore, tout est blanc dehors. C'est terrifiant. Je crois que demain, ça ira. Il ne fera pas plus chaud, mais la neige sera partie. Puisque demain, ben, ce sera une journée assez mouvementée dans le sens où, mais ça, je vous l'avais déjà dit, ben, je vais aller déposer les DP aux enfants. Donc, je passe d'abord chez ma soeur. Là, je ne vais pas rester. Les enfants seront là. Regardez les distances. Ma soeur a eu la première dose de son vaccin. Mais pas moi, donc. Et puis, de toute façon, avec la première dose, on n'est pas totalement protégé. Donc, on garde toujours ces distances de sécurité. Mais comme ça, bon. Elle voulait que les enfants soient là, que je vois leur tête quand je leur amène leur DP, donc pour Harry Potter et le loup de Céline. Et ensuite, je vais chez mon fils Eric, qui est en congé, qui fait partie de ma bulle. Donc, je vais passer un petit moment avec eux. Enfin, on va passer, parce que toute la journée se passera avec mon pilou, bien sûr. Un petit moment avec eux. Et de là, je pars chez l'aîné de mes enfants, chez Joe, pour apporter le Michael Jackson de ma petite fille Kathleen. Et puis on rentre à la maison. Alors j'ai sur celui-ci, j'ai 16 feuilles. Donc ils font 15,5 sur 10,5. Donc c'est des cases. Il y en a 16 entières. Puis il y a des petits bouts de moins de 4 cm dans le bas. Et tout au fond, c'est des demi-feuilles que j'ai mises. Donc, il y aura moins, à mon avis, moins de. Ouais.
Il y aura 5 cm peut-être. Donc le but du jeu, le but que je me suis fixé, c'est de faire au moins. Il y a des jours où j'y arriverai pas, puis il y a des jours où j'en ferai peut-être un peu plus. Mais de faire au moins une case par jour, donc un petit peu au matin comme ça, puis je vais aller bosser, puis un petit peu au soir. D'en faire au moins une entière par jour. Ce qui me fera 17, 18, allez, on va dire 19 jours si je ne fais pas plus qu'une case par jour. 19 jours pour terminer ce DP. 19 jours, c'est bien, puisque je veux l'avoir fini pour le 8 mai. Donc, ce sera avant le 8 mai. Et donc, après, j'ai bien envie de faire les émeux, ou avant les émeux, de faire une petite toile. Je sais pas. Je sais pas. Ça. Donc, tout ça, c'est les toiles qui resteront pas chez moi. Les suivantes, ce sera des toiles qui resteront chez moi par le chat dans le chapeau qui ira chez ma soeur Sylviane. Donc, je vais en faire quelques-unes d'abord qui resteront chez moi, qui décoreront un petit peu la maison. Donc, je termine ça avec vous et puis après. Quoique Pilou arrive, il va chipoter pour découper sa toile et la mettre dans un cadre qui ira dans son bureau. Donc ici, je vais faire les N. On n'aura peut-être pas le temps de terminer ce tout petit morceau ensemble. Donc il me reste quand même, si je retire ma feuille, il me reste. Ça, c'est une seule case. Ce passage-là. Donc c'est quand même pas mal. Donc, vous entendez aboyer, c'est Major qui va dire bonjour à Satan tous les jours après sa promenade. Il va voir Satan. Donc ça c'est ouais, le N. Alors comparer, je vais essayer de vous rapprocher pour voir. Comparer avec le Michael Jackson que je viens de faire, les lettres. À la limite, on n'a même pas besoin de la tablette lumineuse. Je la mets quand même parce que ça illumine quand même un petit peu. Donc c'est encore plus facile. Mais les lettres ressortent très, 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 très bien du DP. Donc pour placer les diamants, c'est juste du bonheur, quoi. Vraiment comparé à celle que je viens de faire. Quand on a eu et Harry Potter où il y avait énormément de rivières, donc j'ai perdu beaucoup de temps à retirer les rivières. Et Michael Jackson, où on ne différenciait vraiment pas bien les lettres. J'ai dû travailler à la loupe pour pas mal d'entre elles. Enfin, le C, le G et le U. C'était très, très, très compliqué à différencier. Ici, je suis sur une toile qui est très bien faite, très bien imprimée et les lettres sont super bien faites. Non, Harry Potter et Michael Jackson, je les ai eus via Amazon. Ici, c'est GBFKE. Il y a des toiles de chez GBFKE. Non, quoique jusqu'à présent. Bon, GBFKE, franchement, on pouvait y aller les yeux fermés. Jusqu'à présent, j'ai pas été déçue, honnêtement. C'est plus compliqué quand on prend des diamants carrés. La taille des diamants carrés, c'est plus une loterie, je vais dire. C'est plus compliqué. Bon, en diamant, oh, ma foi, c'est très rapide. Si on n'oublie pas de mettre son diamant sur son stylet, bien sûr, sinon c'est plus long. Mais là, c'est vraiment un bonheur de la travailler. Même si elle est plus grande que Harry Potter et que Michael Jackson, puisque bon là c'était du 40 sur 50 et ici c'est du 50, enfin du 70 sur 50. Je pense que j'irai plus vite dans le sens où voilà, je vais pas chipoter à chercher où sont les lettres
Est-ce que je le mets la bonne au bon endroit? C'est juste un plaisir. Bon, mon pilou vient d'arriver, donc il va juste appuyer sur le petit bouton rouge le temps que je vous dise. Ben, au revoir. Donc moi, ce sera une toute petite vidéo, mais c'était pour vous montrer le début du phénix, donc vous le découvrirez au fur et à mesure, puisque je l'ai bien caché. Enfin, je ne l'ai pas caché pour que vous ne le voyez pas, mais de fait, avec les papiers blancs, ça, vous ne voyez pas l'image, donc vous la découvrirez au fur et à mesure. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je filmerai en voiture, mais c'est pour mon vlog, pour vous donner des nouvelles du boulot. Ce sera pour le vlog. Je ne sais pas, peut-être ce soir un petit peu pour le phénix. Voilà. Donc, mon amour, si tu veux bien, je dis au revoir. Et si tu veux bien, appuyez sur le bouton rouge. Tu ne l'as pas fait? Oui. Il veut pas? Il veut pas? Je vous tourne, attention. D'ailleurs, si je vous tourne, regardez un petit peu. C'est ça le bouton rouge, ça fait Regardez rien. un petit peu la neige. Donc, je vous laisse sur la neige. Et je vais le faire moi-même. On n'est jamais mieux servi que soi-même. Que ce soit Pilou, Albert Schronienu ou Marique, c'est tous les mêmes. Ciao!